Hey, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 27 juin, j'adore faire ces petits vlogs d'ascenseur. Et comme tu le vois, je sors de chez moi de stream aujourd'hui parce que nous avons rendez-vous chez Ankama. Et j'ai l'impression de retourner travailler du coup. On est chez Ankama. Je suis restée plus qu'une heure dans le métro, donc ça commençait bien. Trop bien, je vais faire pareil. Vous allez pouvoir découvrir des trucs qu'on n'a pas encore montrés. Oh, trop bien. Yes. Wow. Ce qu'on fait, on repart avec une autre. J'ai plus de place sur mon lit déjà. Il y a des dragons géantes. J'en ai déjà deux. L'idée, effectivement, voilà, c'est de présenter un petit peu, de pouvoir les toucher. On reviendra ici ce soir. Pour dépenser notre argent. La salle de stream, le spot canap. Il y a vraiment des trucs. Oh, j'ai des trop chou, genre. On veut. C'est quoi américain. Des bonbons américains. Deux frères qui m'offrent des bonbons. Je suis américain, chat. American. On parle des trucs qui sont tombés. Des bonbons Harry Potter. T'en veux voir. Ah non, mais attends, c'est des trucs de Bertie Crochu, genre. Ouais. Donc ça a des goûts bizarres, genre vraiment. Ouais, genre vomi. Genre vomi. Crotte de nez. Non, ça ira alors. Ce matin, prenez-les. Alors ça c'est nouveau. Il n'y avait pas les poubelles avant. Mais c'est le grand chelem ici, c'est Roland Garros. Midi Pierre versus ça peut. 3. Ouais, on va les laisser là sinon. Une peluche, touloulouloulouloulou. Je suis venue ici à chercher mon fournisseur officiel de Dofus Eben. Aden. J'ai trouvé le coin des CM. Ils ont un coin canapé ces jours, genre maintenant. Hallucinant, et petit café, petit truc. Heureusement, il est toujours en bonne place ici. Ah, le futur paquebot. Familier comme il est trop mignon. Tu peux te mettre un peu gros comme ça, on te voit bien. Ah, mais il sera pas aussi gros. Hein. Ouais, non. Là, c'est vraiment pour que vous voyez tous les détails bien comme il faut et tout. Ce soir, en Canada, je stream pas exprès. Ouais. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de ça, Dofla, de ce qu'ils nous ont annoncé? Franchement, j'ai juste hâte d'une chose, c'est d'être en fin juillet. Tu vois, je vais dire ça. Bah oui, parce que de toute façon, la vidéo est sortie là, on aura le droit d'en parler. Ah bah oui, bien sûr. Je crois que je vais m'amuser à faire un montage ce soir, toi. Je suis un homme bête. Donc ouais, je suis hypé et franchement, vous allez voir, ça va être incroyable. Tu vas jouer avec moi? Plutôt, j'ai besoin d'une garde du corps à ce qu'il faut me déplacer. Est-ce que je peux dire Bunta Brakmar ou pas? Dépend, si t'es de Bunta Brakmar, choisis quoi d'autre? Moi je vais prendre Brak là. Choisis Brak ou pas? Voilà. Moi je sais pas, je prends Brak. Bah oui, il va falloir traverser là. Toi t'es Bunta plutôt? Franchement, je sais pas. Non, si je prends Brakmar, je prends Brakmar aussi. C'est vrai? Ouais. Yes, Team Brak, je l'ai converti. C'est un Welsh, c'est du fromage avec du fromage, un peu saupoudré de fromage. Après, je crois qu'il y a du pain et du jambon quand même, histoire d'avoir un peu de. Non, mais je braque pas du tout les magasins, je prends pas. C'est normal. Trois dragons. T'as déjà deux dragons roses. Comment ça se passe? T'habites dans un 150 mètres carrés, c'est ça? Non. La chenille. C'est vrai que j'ai pas faire de l'élevage. À mon avis, mon copain va rager quand je vais arriver avec ça. Bah, il y a une seule chose à faire, c'est de fournir avec le copain. Je vois pas d'autre solution. C'est tellement mieux de dormir avec les dragons. Du coup, j'ai acheté une pour Amtaro, une pour moi, mais que je vais laisser pour le moment avec, avec Thomas. Je vais jouer avec Sapeu et Dofla qui sont là-bas. On va essayer de battre le boss qui va être à la Japan Remington, c'est ça? Je n'ai pas réussi à téléporter dans le combat. C'est ce monsieur qui a été téléporté à ma place et qui a volé mon personnage. Là, je négocie avec Naskan pour récupérer son compte avec le sort doux. Regardez ce combat que je ne ferai pas du coup. Yes. Quel est votre meilleur souvenir? Quelle est ta plus grosse chose? Oh, il y en a tellement, attends, je cherche. Non, non, mais t'inquiète, je vais te le redire au fur et à mesure, mais c'est pour que. Non, mais c'est même pas les questions, on est tellement de loose. Elle a tellement de conneries. C'est ça, la question. Quelle est ta plus grosse chose?
Je m'appelle Pierre, alias Humility sur les internets. Du coup, on a l'impression que t'es grand parce qu'on voit pas la fin de tes jambes. Ouais. Bon, donc, ouais, je en fait, à chaque fois, Alex. Non, mais là, c'est bon. Je vais prendre Panda, je Panda, pense. Tu veux prendre Panda? Ouais. On prend Panda et Niop. Allez. Comme des gros. Oh, astuce, lire le chat, on nous aide. Yop, entre le tas, passe à ton voisin. Je suis avec Nao et Humility. Ah ouais, Nao, c'est la première fois que je ça là. Après, c'est la deuxième. La première, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on ne comprend pas encore trop ce qui se passe. On essaye de comprendre. Le premier conseil, c'est de lire ce qui se passe dans le chat. Oui, oui, c'est... Mais attends, regarde, là, j'ai lu le chat en grand, genre. Nao, elle a le chat en grand, ce qui lui prend la moitié de l'écran. Au moins, elle est sûre de rien. Mais quand tu lis des tricots bézoirs, excuse-moi, c'est... Qu'essayez-vous de nous dire, quoi, hein? Alors, Remington lance armé jusqu'aux dents, rang 1. Ils vont dans l'état invulnérable. Ils entrent dans l'état 3 balles. Non, pas 2 balles. Et pourtant voilà. Non mais peut-être que c'est justement tu dois passer la bombe à nous. À l'autre, à un de nous par exemple. J'ai Nao évidemment, grâce à eux, des grands joueurs. Du coup c'est le mandat de Nao. Ah, on va gagner. Première victoire du monde. Exactement. Allez, premier mondial top 1. On n'était pas du tout aidés à 3 milliards de cerveaux. À toi de soloter. Producteur. Du coup, je vais partir avec Thomas et on va se faire notre soirée. On va se faire manquer à ma barre chez Thomas. Du coup, voilà, c'est tease. Je suis rentrée. Il est assez tard parce qu'il est 10. 22h passées. En réalité, après la journée, je suis allée chez Thomas, on est resté papoter et j'ai complètement oublié de filmer, tu vois. J'ai vachement filmé pendant la journée. Donc, en gros, de quoi on a parlé? On a parlé évidemment de la nouvelle mise à jour qui arrive au mois de juillet avec le Dofus Bulbis et tout ce que ça comporte. On a parlé de Temporis 3 qui sortira fin juillet avec une guerre entre Bonta, Bragmar, des agressions libres. Ma seule crainte, c'est le caractère streamable de cet event. On sait que Temporis est très hype de manière globale sur Twitch. Malheureusement, avec cette formule là de PVP un peu sauvage, j'ai peur malheureusement que cela ne permette pas de streamer en fait cet event. Donc à voir, je testerai probablement, mais voilà. Je m'attendais pas forcément à un serveur temporaire alors qu'il y a déjà tellement à faire avec cette mise à jour 2.52 qui est en train de voir le jour. Et puis j'étais tellement contente de revoir tous les collègues. Alors il y a des modifications aussi sur les songes qui nous ont été un petit peu révélés. Et puis on a eu aussi une présentation de la petite mage qui sortira sur Wakfu avec la Pandalousie. Et ça a l'air grave cool en vrai. Ça m'a donné envie de rejouer un petit peu à Wakfu, mais c'était niveau 140, un truc comme ça. Et moi, mon perso n'est pas du tout de ce level là, donc faudrait penser à retourner sur Wakfu Expo un petit peu. On a pu tester le boss de convention qui sera disponible à la Japan Expo avec Remington. Et on a tourné, comme vous avez pu le voir également, une petite vidéo qui servira pour les 15 ans de Dofus en fait. On a répondu, on a partagé et j'ai reçu des cadeaux. J'ai reçu le tapis de souris du monde des 12 et il est incroyable. J'ai actualisé parce que du coup tu as toute l'île aztèque aussi qui est là. Honnêtement sur les goodies ils ont été très généreux, hein, je pense. Chibi Sram et Chibi et Kaflip. On a été très gâtés. Du coup, je vais terminer moi le vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Puis il y avait plein de moments où on n'avait pas le droit de filmer. Du coup, c'est tout pour ce petit vlog. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant juste ici. Et tu peux retrouver le dernier vlog en cliquant juste là. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.